C'est sûr, c'est une semaine de plus que satisfaisant. Voilà, j'ai réussi à gagner une étape, à faire une deuxième place et à réaliser un bon chrono aujourd'hui. Donc voilà, je ramène un nouveau top 5 en World Tour à la maison sur un classement général. Donc je suis très très heureux, même si voilà, on peut se dire que 5 secondes c'est pas grand chose au final sur le classement général pour aller chercher le podium. Mais bon voilà, c'est comme ça et je suis quand même très très satisfait de la semaine. Un nouveau top 5, un nouveau maillot blanc aussi. C'est vraiment une sacrée première partie de saison que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous en avez conscience quand même que vous êtes en train de passer quelque chose là ? Oui, je sens que voilà, cette année j'ai passé un cap. Voilà, j'ai fini, comme on dit, les deux années néo-pro d'apprentissage à regarder un peu ce qui se faisait. Voilà, maintenant je sais que l'équipe attend de moi quand je suis sur une course, qu'il n'y a pas Thibaut, qu'il y a d'avoir des résultats. Donc voilà, j'espère que je leur ai apporté satisfaction depuis le début de saison. Je me sens vraiment bien depuis le début de saison. Et voilà, maintenant ça va être place à une bonne coupure afin de préparer la deuxième partie. En quoi vous avez l'impression d'avoir vraiment réussi à progresser depuis le début de l'année ? Je pense que je suis plus serein, plus calme sur le vélo. J'arrive à mieux analyser les choses et voilà, quand tout va bien dans la tête et que les jambes sont là, ça réussit à bien marcher. J'ai une dernière question. Vous avez parlé de Thibaut tout à l'heure. On a vraiment vu, on le voit au fur et à mesure des courses, que vous êtes très solidaire, vous entendez vraiment très très bien. Il vous a envoyé des messages là pour ce tour de Romandie et on veut savoir ce qu'il a dit. Hein. Oui, Thibaut, c'est quelqu'un qui est très généreux envers ses équipiers et qui est très très reconnaissant envers eux. Donc voilà, c'est sûr qu'avec Thibaut on s'entend très bien, on n'a même pas forcément besoin de se parler dans le peloton pour se trouver. Donc voilà, dans cette semaine il m'a envoyé des messages de satisfaction toute la semaine et voilà.